Il y a plus de 3000 ans, débute la longue guerre de Troie où s'affrontent les anciens Grecs et les vaillants Troyens. Ulysse s'enferme avec ses soldats dans un cheval de bois afin de pénétrer dans la ville et emporte la victoire au nom des Grecs. Après 10 années de guerre, les héros grecs s'en retournent auréolés d'une gloire immense. Quant à Ulysse, il doit rejoindre Ithaque, où son peuple, sa femme et son fils l'attendent. Mais les dieux en décident autrement, et Ulysse, tout au long de son voyage de retour, affronte les plus grands dangers. Quelle galère, hein ? Ouais ! À qui le dis-tu ? Mon capitaine, terre à l'horizon ! Compagnon, si je ne me trompe pas, nous sommes chez les Kikones. Il a dit quoi ? Nous, glorieux guerriers, nous n'avons rien à craindre. Je dirais même, servez-vous. Aujourd'hui, nous sommes des pirates. À l'attaque ! Tu crois pas qu'on devrait aider le capitaine ? Ah, et c'est qui va faire la cuisine ce soir ? Lui, peut-être ? Et puis, les dieux sont avec lui. Conduisez-moi à votre chef, bande de vauriens. Où je... Qui es-tu ? Je suis Maron, prêtre d'Apollon, dieu de la musique, du chant et de la poésie. Parle, je t'écoute. Oh, par Apollon ! Ne touche point ses serviteurs ou tu risques de grands malheurs. Je peux payer ma liberté, un peu de vin et plusieurs bœufs. Qu'en dis-tu ? C'est d'accord. Relève-toi et ramène-nous de quoi fêter notre victoire. Le cuistot t'accompagne, c'est un connaisseur. C'est moi qui l'ai trouvé ! Donne ça ! Par Zeus, tu mens ! Je l'ai volé ! Fiente d'oiseau ivre ! Oui, mais c'est moi qui l'avais vu le premier ! Rendez-le-moi ! Nul ne sera privé par moi d'une part égale de butin. Compagnon, allons festoyer. C'est Apollon qui régale. Alarme ! Des soldats arrivent ! À cheval ! Mon roi, réveille-toi ! Hein ? Chargez les bateaux ! Par Zeus, le prêtre est avec eux. Il nous a trahis. Nous n'aurions pas dû l'épargner. Que les dieux soient avec nous, mes amis. Oh, pardon, grand Apollon, si nous t'avons offensé. Pardon, pardon. Soldats, il faut partir. Ulysse mettra plus de 10 ans à rentrer chez lui, au cours desquels il affrontera la mer et ses dangers. Il pourra compter sur l'aide de la déesse Athéna. Mais il devra affronter les terribles épreuves que lui inflige Poséidon, le dieu de la mer. Il échappe de peu au royaume de l'oubli, à celui des morts, au charme redoutable des sirènes. Il perd ses hommes, dévorés par le cyclope et par Scylla. Ses bateaux sont détruits par les terribles Lestrigons et la colère de Zeus. Il lui faut encore patienter quelques années, prisonnier de Calypso, là où les colonnes d'Hercule marquent la fin du monde. Mais le héros finit par retrouver son île, où son épouse Pénélope l'attend depuis 20 ans.